vraiment. Ici, on voit presque 300. Voilà. Là, si tu veux, au fond, là-bas, c'est Béziers. Tu vois, au fond, derrière, Béziers. Tu as Béziers, tu as Narbonne. Alors, vous voyez, cette propriété-là, avec 20 hectares, ça s'est vendu il y a 2 ans. C'est en bas, là ? Ouais. 20 hectares. Non, pas plus là, là-bas. Le suspect. Le camp bas, là. 300 000 euros. Oh. Ouais, le mec était pressé, il a pas beaucoup de pressé. Et attends, hein, tu le vois, là, il a arraché les vieilles vignes. Vous voyez les tas de souches, hein. Tu vois les tas de souches, Il y avait des vieilles vignes de quoi je... Le mec, il a tout arraché. C'est un néerlandais. Ah oui, bah tiens, ça peut 300 000 euros, dit. Il l'a payé. 20 hectares. Ouais, 20 hectares plus les bâtisses. Hein. Ça s'appelle l'étamphage. Putain. Eh ouais, mais ça, si tu veux, des fois, il y a des trucs. Quoi. À un moment donné, ils étudiaient la faculté de faire un golf ici. Et c'est tombé à l'eau. Pas à cet endroit, mais dans les bons endroits. Je vous parle de l'Irlandais qui a acheté. Enfin, apparemment, un Irlandais, mais c'est un groupe qui est derrière lui. En vert, c'est une... Non, celui-là, non. Moi, je suis en haut, je ne suis pas en vert. C'est que j'ai semé la paix. Si on était à la chance, c'était pas sorti. Là, c'est bon. Là, en vert, ça appartient au domaine de l'équilibre. C'est le petit truc d'un petit bois. À 700 000 euros. Cool. T'es pas dans le... Ouais. Ah ouais. C'est sympa, hein. Vous allez voir, attends. Bon. Ça, c'est un truc qu'ils ont bâti. C'est un truc qu'ils ont bâti. Ça fait pas partie de l'ancien. Ils l'ont rajouté, sans doute. Ils devaient. Là, ben, on voit qu'il y a 4 appartements. Hein. Ouais. Oui. Là, c'est ce qu'on peut faire tout, hein. Ça, c'est l'ancien. Ils ont retapé. Bien retapé, je trouve que l'entreprise qui a travaillé a plutôt bien travaillé. Ce sont les bâtiments d'exploitation qui ont été aménagés en appartement. On voit bien avec les escaliers un petit peu ce à quoi ça va ressembler plus tard. Putain, ouais. Ah, ils ont fait les tours. Ils ont fait la totale quand même. Tout est vendu ici, même les. Ouais, non, tout est déjà vendu. Tout est vendu. Putain, ouais. Et le château également, il y a des appartements dans le château. Sont en train également de retaper en même temps. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle. Ça, c'est extraordinaire, oui. Ah, mais ça, les serres, t'as de belles serres. Alors, par contre, ce qui est très mauvais goût, c'est le polycrédo. Oui. Tu sais, les petits crédos, là, la terrasse, un petit crédo. Ah ouais. Alors, de vouloir à tout prix ressembler à un château fort, quoi, tu vois, c'est pas dire. Souvent, tu verras. Et il aura terminé quand les travaux?
je sais pas. Tu sais, Adrien, que je connaissais très très bien, l'ancien propriétaire, Julien de Zénicu, et qui me l'a vendu pour exactement la même. Je vais te dire, j'ai tellement loupé d'affaires. La moitié. Oui. Voilà. Bon, en fait, ça, c'est des anciennes cas, vous voyez, qui sont en train d'aménager également. Et le château, là, ils vont faire une piscine. Ils vont... On va le voir de par là. On va le voir de par là, vous allez voir, on a le meilleur vue.